Salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Révélation. Donc la dernière fois, nous avons donc joué les souvenirs d'Altaïr pour la deuxième clé de Masyaf. Donc c'est-à-dire à la mort d'Amualim et à la récupération de la pomme d'Éden et le fait de guider les assassins. Et nous avons fait une autre quête, oui on peut appeler ça une quête, où nous devons justement suivre Tariq. Et savoir s'il était complice avec les Templiers ou pas. Nos soupçons ont l'air de s'être un peu confirmés. On a su qu'il était prêt à aller voir un Templier. Et du coup, ça nous a mené à cette personne qui est juste là. Tu peux recompter si tu veux, Tariq. Mais l'argent restera avec moi tant que je n'aurai pas vu la cargaison et évalué sa qualité. Entendu. Tu es un homme avisé, Manuel. Son cynisme, la confiance est dérisoire. Le compte est bon, Tariq. Tout est là. Et maintenant, tu pourras accéder à l'arsenal. Quand tu l'auras vérifié, la cargaison te sera livrée là où tu le souhaites. Tes hommes sont prêts à voyager? Absolument. Polycala, je te fournirai une carte qui te guidera bon port. Sommes-nous ici pour la même raison? Un de mes hommes aurait vu une cargaison d'armes entrer dans l'arsenal. Cela m'a intrigué. Des armes? J'aimerais les voir de mes propres yeux. À moins de tuer tout le monde, je ne vois pas comment entrer. Nous t'avons prévenu deux fois. Aucun marchand aux abords de l'arsenal. Débarrassez-moi de ça. Hypocrite! Si vos hommes n'achetaient pas mes fruits, je les vendrai ailleurs! Vous êtes pire que les Byzantins, sale traître! Ah ! Surveille ta langue, vermine! Même en temps de paix, les pauvres, eux, sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ça pourrait servir notre cause. Tariq a envoyé un homme appelé Manuel à l'arsenal. Créer une émeute pour distraire les gardes et entrer dans le bâtiment. Eh bien, on va faire ça, du coup. Feindre la solidarité pour servir nos intérêts. Tiens, mon gars. Je n'en suis pas fier, mais ça marchera. Vous tous, citoyens de l'Empire, dans une... Écoutez-moi. Vous n'avez rien fait. Voilà, une bonne chose de faite. Cette porte ne résistera pas longtemps. Le peuple te rend un grand service, Ezio. Assure-toi que personne ne soit blessé. Il doit être au moins 25. Ok. Allez. Et de 1. Nickel. Allez. Nickel. On a perdu 4 personnes, malheureusement. Ok, on a des gens qui se ramènent avec des fourches. Déjà, 2 en moins. Nickel. Putain. Ça c'est fait. Oui, continue.
Allez, on les enchaîne. Oh. Vite, il se bat. Ou alors ils arrivent. Non, il s'est barré. Nickel. Grâce à l'émeute, les portes de l'arsenal sont ouvertes. Découvrez ce qui est fait manuel. Eh bien, allons voir ça. C'est vrai que c'est plus pratique comme ça. C'est plus rapide. Et vu que les gardes sont occupés, on est tranquille pour passer. Très tranquille. Mercenaire, il a l'air bien. Bon, sauf là où je me fais un peu poursuivre. Il est vraiment hors de prix. Et sa marchandise, c'est ça. Essaye un peu. 5 pièces d'or à celui qui l'élimine. Ah, bordel. Comment se porte ton homme? Bon sang, mais où est-il passé? Je le vois! Allez! Allez, on se dépêche, cours! C'est pas le moment de mourir. 20 ans dans cette ville à jouer la comédie. Et voilà enfin qu'arrive mon heure. Lorsque les Palaiologos retrouveront leur trône, n'oublie pas qui t'aura aidé à le reprendre. Rassure-toi, mon ami. Jamais je ne trahirai un homme aussi influent que toi. Mais fais preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je suis satisfait. Conduis-moi mon bateau. Si un seul est endommagé, il n'est pas question que je paie. Oh, fuck it. Reviens par ici. Pas vrai. À la table. Le voilà. Je le vois. Allez. Allez, vite. Bon sang. Où est-il? Cours, cours, cours. Allez, on charge. Attrapez-le. On va y arriver. Il m'a même pas capté lui. Ça me fait trop rire. Eh bien voilà une bonne chose de faite. Bon, du coup, peut-on dire que ce janissaire nous aurait trahi, enfin aurait trahi du moins l'oncle de Suleiman, en voulant justement, aider les Templiers à reprendre leur trône, en leur donnant des armes? On sait que les Byzantins étaient là avant les... Ça vous amuse peut-être ? Je ne sais pas comment ils s'appellent. Les Byzantins et les Ottomans, voilà. Les Ottomans étaient arrivés après. Mais il y a eu une bonne raison. Donc bon.
On va s'arrêter là pour cet épisode, donc il sera beaucoup plus court que le dernier, mais nous continuerons donc la prochaine fois. Donc j'espère quand même qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.